ce matin. Ta parole déclare, là où deux ou trois se sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Père, que ton Esprit Saint nous assiste du début de l'intelligence qui provient de toi, afin que tout puisse bien marcher. Communication réelle ayant du sens pour vous qui êtes étudiants. Elle constitue un outil pour la motivation et favorise l'activité formative. Elle aide à atteindre des objectifs d'autonomie, de travail individuel ou en groupe. Elle constitue aussi l'encyclopédie active. Bref, elle est créatrice de situations de richesse. Enfin, l'informatique et les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont objets d'enseignement, car composantes incontournables de la culture générale de notre époque. Nous demeurons convaincus que pareille intégration
résolu de l'informatique. Et le docteur en informatique à l'université est une grande discipline. Cette avancée a donné naissance à une nouvelle. N'est aucun doute que l'informatique est devenue incontournable. Nous tenons à remercier l'université Révérend Kim qui nous a invités pour participer à la 5e édition qui a pour thème central l'informatique pour un monde nouveau. Ce que nous devons retenir de ce thème central est que l'informatique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui au centre de tout développement. Développement économique, développement culturel, développement humain. Et donc, les nouvelles technologies, les technologies de l'information et de la communication sont au centre des développements de tout. Des entreprises, des universités sont au centre de l'enseignement. Et donc, l'informatique marche de pair avec les technologies de l'information et de la communication pour un développement humain, scientifique, de l'entreprise, pour une croissance économique. C'est au centre de ce que nous appelons aujourd'hui la nouvelle économie, l'économie numérique. Et donc, nous avons tenu à répondre présent, à encourager l'université Révérend Kim, avec tout son staff, de mettre au centre les technologies de l'information et de la communication dans leur système d'éducation, dans leur système d'enseignement. C'est ce qui va booster le développement de notre pays. C'est ce qui va faire en sorte que la République démocratique du Congo, qui a beaucoup d'atouts dans le secteur, puisse réellement s'affirmer au cœur de l'Afrique comme un éléphant dans ces domaines. Voilà pourquoi nous avons tenu à répondre à cette invitation du secrétaire général de l'université Révérend Kim. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous attendez de ce jeune de l'université Révérend Kim au travers de cette 5e édition? Puisque vous parlez des jeunes, ce que j'entendais, c'est de prendre leur destin demain. C'est l'avenir du Congo. Et ces jeunes, surtout de cette faculté de l'informatique, ne pourront pas prendre convenablement les responsabilités en main s'ils ne savent pas manier, manipuler cet outil important de l'informatique, les numériques. Voilà pourquoi nous devons tout mettre en œuvre, leur faciliter la tâche, construire des infrastructures dignes de ce nom, pour que ces jeunes manipulent, se connectent facilement à cette donne qui est devenue incontournable aujourd'hui, indispensable pour l'enseignement tant secondaire qu'universitaire, pour l'éducation en général. Et c'est ce qui est à la base du développement économique, scientifique, social, culturel pour ce 21e siècle. Merci beaucoup.